Bonjour à tous les amoureux de nature, me voici de retour pour une troisième vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'argent. Alors je ne suis toujours pas en Ardèche, cette fois-ci je suis au Japon puisque comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, j'aime voyager et j'ai donc organisé mon activité professionnelle pour pouvoir le faire le plus souvent possible. Je suis forcée de constater que bon nombre de personnes qui se sont engagées dans des démarches de croissance personnelle, spirituelle, ont des difficultés au niveau financier. Alors il faut croire que la croyance de la bassesse matérielle opposée à la supériorité spirituelle a la vie dure. Toujours est-il que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, eh bien si au milieu du mois on se retrouve déjà avec rien en poche ou rien en banque pour payer les factures, eh bien c'est très très difficile. C'est bien gentil tout ça, mais autant que je sache, bien que nous soyons des êtres infinis, spirituels, immortels, eh bien, nous sommes venus sur cette terre pour réussir une expérience humaine et nous rappeler qui nous sommes. Et ceci, corps, mental et esprit. On ne peut y considérer uniquement le spirituel et renier le reste. Sinon, c'est bancal, sinon nous serons passés à côté. Réussir cette vie terrestre, justement, c'est parvenir à changer notre rapport à et notre regard sur toutes les choses matérielles. Arriver à en profiter sans en devenir esclave, nous libérer de la peur du manque. Et l'absence de désir n'est absolument pas la solution, comme le dit Deepak Chopra, le désir c'est la vie. Ceux qui pensent que l'argent est sale et qu'il est vil de l'apprécier, que les riches sont des profiteurs et des malhonnêtes, en un mot des salauds, contribuent tout autant à la pauvreté, à la misère et à la souffrance en ce monde que les gens qui ne pensent qu'à piller et à amasser. L'argent est tout simplement une énergie à apprécier et à aimer avec bienveillance. Comme l'eau et l'électricité, elle se doit de circuler librement et sans cesse. En fait, elle est un magnifique outil qui est notre ami et qui peut nous permettre de réaliser de très beaux projets éthiques pour pouvoir faire plein de bien tout autour de nous. Depuis notre plus tendre enfance, on nous a enseigné pour la plupart qu'être en bonne santé, qu'être heureux et dans l'opulence dans un monde où il y a tant de personnes qui souffrent, qui subissent la guerre, qui sont opprimées, qui vivent dans la rue, eh bien avait quelque chose d'immoral. On nous a fait croire que pendant que la crise économique sévit, que de plus en plus de gens se retrouvent à la rue, eh bien être riche avait quelque chose d'indécent. Que, en quelques mots, on ne pouvait pas être prospère et honnête, on ne pouvait pas être heureux et être une belle personne et avoir beaucoup d'argent en même temps. Mais ceux qui nous ont enseigné cela ou qui le véhiculent encore aujourd'hui ne disposent pas d'une notion qui leur fait cruellement défaut. Si l'on se penche sur les enseignements de la physique quantique, eh bien on se rend compte que le manque n'existe pas. Il suffit, si quelque chose vient à nous faire défaut, il suffit que nous nous focalisions sur ce que nous voulons à la place, que nous nous activions dans ce qui nous incombe et puis que nous laissions les choses se passer.
nous maintenir dans le manque pour soutenir ceux qui souffrent ou ceux qui sont déshérités ne fera qu'aggraver les choses et attirer toujours plus de négativité en nous et autour de nous. Par contre, nos succès et notre prospérité profitent toujours aux autres. Lorsque nous nous libérons de la peur, du manque, des doutes, des limitations, eh bien nous libérons les autres automatiquement. L'abondance n'est pas comme un gâteau dans lequel on découpe des parts. Avec l'abondance, c'est toujours plus. Et c'est toujours une question de choix personnel. Et si nous changions maintenant notre rapport à l'argent, si nous faisions la paix avec lui, si nous nous réconcilions avec lui, si nous mettions un terme à ce clivage supériorité, bassesse, bon, mauvais, spirituel, matériel. On nous a enseigné qu'il fallait faire des études et travailler dur ou alors rechercher la sécurité de l'emploi pour gagner de l'argent. Mais le monde change, il est en perpétuelle évolution et aujourd'hui ce fonctionnement est dépassé. Alors si au lieu de travailler dur pour gagner de l'argent, eh bien nous mettions tout simplement l'argent au travail pour nous. Nous pouvons absolument avoir une profession en fonction de ce que l'on aime, de ce que l'on a envie d'étudier, de ce que l'on a envie d'accomplir. Je peux vous l'assurer parce que je l'ai fait, parce que je l'ai réussi. Alors évidemment, cela demande de la réflexion, de l'imagination, du courage, de la ténacité. Rien ne tombe tout cuit sans rien faire, mais c'est possible. Si vous voulez parvenir à créer votre vie de rêve, il va absolument falloir que vous vous réconciliez avec l'argent, que vous appreniez ou que vous réappreniez à l'aimer sainement et que vous guérissiez votre peur du manque. Alors il est bien évident que gagner de l'argent ne peut être une fin en soi. C'est le fait d'avoir un but, d'avoir des projets éthiques ayant du sens qui donnent justement du sens à notre vie. Une quête exclusivement financière avec l'argent comme symbole de réussite ne peut au final amener qu'un grand vide. Par contre, l'argent va devenir votre allié. Un ami qui va vous donner des ailes pour que vous puissiez parvenir à vos fins, pour que vous puissiez financer vos rêves, tout en étant plus serein et plus épanoui. Équilibrer le spirituel et le matériel dès maintenant sera essentiel pour parvenir à créer votre abondance.